With God the One, it is end. Two, with God the whole world in his hands. Four, with God the whole world in his hands. With God the whole world in his hands. He's got the whole world nine, in his hand. He's ten, got the whole world in his hand. Salut à tous, c'est Nico, c'est pour The Voice. C'est magnifique. Bon allez, on va revenir quand même au sérieux. C'est un WWE Payback. Pour bien sûr, vous avez pu comprendre, hein, c'est un match qui est très important. C'est le Last Man Standing match entre John Cena et Bray Wyatt. Donc entre celui qui a le monde entier dans ses mains, celui qui se croit Dieu et l'autre qui se dit qu'il n'est pas Dieu, on va dire ça comme ça, celui qui nous dit qu'il ne faut jamais abandonner, patati patata. Donc on va rappeler très brièvement ce qui s'est passé. Nous étions à Extremules, John Cena affrontait Bray Wyatt dans un steel cage match, quand soudain il y a eu ce petit enfant. Donc ça, le et petit garçon, il a chanté comme ça, c'était assez, voilà. Et c'était assez fandard. Et d'ailleurs, ce garçon a fait peur à John Cena puisqu'il est retourné là-bas. Sister Abigail, 1, 2, 3, et c'est terminé. Donc après, il s'est passé ça. Attends, il y a eu un compte 2, 3 où Bray Wyatt est sorti de non, la non, il y a eu un 2, 3. Ah non, ah, oui, pardon, vrai, pardon, oui, pardon, je me suis trompé. Il y a eu un Sister Abigail et après, il est sorti de la cage. Pour simplement finir le match. Je sais plus, il y a eu tombé ou seulement Bray Wyatt. En fait, il y a eu le Sister, enfin, je me suis trompé. Il y a eu Sister Abigail, ça c'est Sister Abigail, et après il est sorti. Voilà, il est sorti par la porte très facilement, etc. Et il s'est passé que Bray Wyatt, fort de cette victoire, a commencé à vouloir tourmenter encore plus John Cena. Et on a attendu bien sûr cette fameuse réponse. Tout le monde s'attendait à ce que John Cena soit marqué de ce qui s'était passé avec Extremules. Bien sûr, parce qu'on se souvient de cette fameuse chorale qui avait eu lieu avant avec Extremules, où tout simplement, bien, il y avait tous ces enfants qui chantaient à cette fameuse chanson qui a été chantée par Michaker, Aloïs et pas par Marie. Allez, dans le nez. Et donc, eh bien, il s'est passé que John Cena a répondu à Bray Wyatt en expliquant qu'il ne voulait jamais abandonner, never give up. Et Bray Wyatt lui a lancé un défi. Ce défi, c'est donc ce fameux compte qui a été expliqué. Bien sûr, c'est le Last Man Standing Match. Donc, on le rappelle fameux rapidement compte les chanté règles. Par moi-même, imitant Luke Harper. Voilà, et en chantant, bien sûr, alors, en expliquant un peu les règles, elles sont simples. Il n'y a pas de décompte, il n'y a pas de tombée, pas de soumission, pas de décompte à l'extérieur, pas de disqualification. Le seul moyen de gagner dans ce match est donc de détruire ton adversaire pour qu'il ne puisse plus se relever. Et comme l'a fait Papy, l'arbitre va compter 10. Et si à 10, il est toujours au sol, eh bien, ça voudra dire que, eh bien, l'un des deux aura remporté le combat. John Cena s'est retrouvé d'ailleurs avec pas mal d'alliés à cette histoire-là, puisque les Usos ont décidé de lui prêter main forte. Et finalement, eh bien, on a la dernière image avec donc John Cena au sol avec cette fameuse chanson. En fait, on vous a fait carrément le remake de ce qui s'est passé, eh bien, la semaine dernière, où on avait donc, eh bien, Luke Harper en train de compter en même temps que Bray Wyatt chantait. Et exact. Il s'est passé lors du dernier Raw que Jerry King Lawler a failli être pris à partie par Bray Wyatt. Exact. Et il a fallu que John Cena intervienne et les Usos. Et là, à ce moment-là, il a dit une phrase tout simplement très exceptionnelle. Pas besoin d'être anglais pour comprendre ça. Payback is your bitch. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il veut dire payback, tu auras ton bitch. D'abord, clair, ton petit gâteau. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les brioches pastilles, bitch, vous connaissez. Hein. Donc, pour ce qu'il s'agit de tout ça, donc, la grande question déjà qu'on va poser, il y a des gens ici qui n'étaient pas très contents de l'utilisation de l'enfant. Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé avec Sumu, ça vous a plu ou non? Oh oui. Franchement, je m'y attendais, mais pas du tout. Aloïs, j'ai kiffé grave. Moi j'avais dit, j'étais sûr qu'il y avait. Au début je pensais que c'était plein d'enfants qui allaient venir et j'étais sûr qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. C'est Aloïs qui était plus près de la vérité pour information. Bah, en fait, oui, moi je me doutais qu'il allait se passer un truc. Alors, qu'il se passe ça, j'étais pas trop sûr. Mais c'est surtout comment. Tu vois, le tout petit garçon qui a le.
qui a donc le spotlight de la salle est dans le noir, il y a juste le petit garçon qui a le spotlight de la lumière sur lui, et avec une voix déformée, énormissime. Donc ça faisait à peu près ça pour ceux qui n'ont pas vu Extreme Rules, et j'ai pu que me fendre la gueule en voyant ça, quoi. J'ai trouvé ça super bien fichu. Donc Mishaker ne s'y attendait pas. Loïs, tu étais quasiment de la vérité, hein, t'étais pas si loin que ça. Je pensais que ça allait être plein d'enfants, moi. Je pensais qu'ils allaient tous revenir, en fait. Et Marie, t'as aimé? Non. Voilà. Le match. Parce que c'est mon John Cena. Ouais, déjà, premièrement. Et deuxièmement, le match en lui-même, il était nul, hein. John Cena qui essaye de se barrer par la cage. Et excuse-moi, John, mais t'as la porte. Je sais pas, tu lui fais un attitude adjustment, tu sors par la porte, bah, et hop, t'auras gagné 10 000 fois. C'est ce qu'il a fait, il a eu un enfant en face de lui. Non, mais à chaque fois, il s'est fait contrer aussi par Luke Harper et Eric Rowan, quoi. Bah mais oui, mais il faisait un peu tout le temps la même chose. Donc le match en lui-même, il n'était pas. C'était clairement sûr et voulu que les deux followers de Bray Wyatt allaient intervenir. Ou alors il avait une dernière technique, mais alors celle-là, il faut s'appeler Jeff Hardy pour le faire. Tu montes tout en haut, et tu fais une descente de la cuisse de l'en haut. Bah, une Swanton Bomb. Tu vois, c'est un petit appel de Swanton Bomb, toi? Bah, non, c'est pas un high flyer. Mais tu montes oui, tout en haut. Oui, ça descend de la cuisse depuis. Du haut de la cage, et finalement, Bray Wyatt, 1, 2, 3, c'était fini. Bon, s'il loupait, il avait plus de jambes, mais il pouvait essayer. Ou alors le Whisper in the Wind. Le jour où je verrai Sean Cena faire un Whisper in the Wind, ça serait exceptionnel. Ah, il y a quelqu'un qui s'est déconnecté encore. C'est pas moi. Ah, oui, bah j'ai vu ça. Ah, bon, si, c'est Marie. Ah, c'est Marie. Ah, Marie qui malheureusement nous a quitté avant qu'elle puisse nous donner son avis. Ah. Au revoir, Marie. En fait, je vais vous dire qui c'est. En fait, c'est Bray Wyatt qui a appuyé sur le bouton et elle s'est déconnectée. Na. Goodbye. Adam. Na. Eh ben, on chante beaucoup, dis donc. Eh, vous êtes en forme pour la chanson aujourd'hui. Vous avez d'autres chansons. Après, pour revenir au pay-per-view payback en lui-même et en attendant peut-être que Marie se reconnecte, il y avait pas mal de matchs supposés qui allaient se rajouter sur la carte du pay-per-view, étant donné qu'on n'a que 6 combats officiels pour l'instant, à 3 jours du pay-per-view. On n'a pas, ouais, on a parlé d'ailleurs de Rousseff contre Biggie tout à l'heure. C'est le 7e match le plus plausible qui devrait avoir lieu. Après, il y a eu de nombreuses rumeurs sur le web comme quoi donc Adam Rose affronterait Jack Swagger. Donc je vous lâche juste qu'un demi spoiler, je vous donne pas le résultat. On a un Adam Rose contre Jack Swagger, mais vendredi soir à SmackDown. Et justement, aussi... en attendant que Marie revienne. Qu'est-ce que vous pensez d'Adam Rose? Franchement, il me fait marrer, moi. Oui, moi, il y a juste sa catchphrase « It's party time, all the time, don't be a lemon, be a rosebud » qui... Soyez pas un lémon, voilà. Soyez pas un citron, soyez un rosebud. Soyez un bouton de rose. Ouais, il aime beaucoup, il est très nature, en fait. J'attends de voir Adam Rose sur la durée. Pour l'instant, je suis pas trop conquis. Il y avait aussi un potentiel Summer Rae contre Layla avec Fandango en arbitre spécial. Je pense plutôt que ce style de match sera rebifurqué dans un Raw ou un SmackDown. Et donc Marie le disait aussi. Peut-être une défense des ceintures par équipe entre les Uzo et justement les deux acolytes de Bray Wyatt, Luke Harper et Eric Rowan. Bon, alors avant, vas-y fini. Vas-y. Avant que Marie revienne, on va peut-être pouvoir attaquer nos pronostics. Alors juste pour parler des pronostics, on a oublié de parler des pixels au niveau de payback pour le titre intercontinental. Ah oui. Et c'est très serré. Puisqu'il y a donc 20 personnes qui ont voté pour RVD
contre 17 personnes qui ont voté pour Bad News. Donc, ça veut dire du coup, ça doit faire un 55-45, un truc voilà. comme ça. Et ça veut dire quelque chose, ça veut dire que cette possibilité est sujet à changement parce que peut-être, eh bien, on peut se retrouver avec, eh bien, durant jusqu'à dimanche, parce que vous pouvez voter jusqu'à dimanche, hein, pour information, les votes ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Vous pouvez voter et donc, bah, ça peut se. On peut imaginer que peut-être que, bah, Orvidi perde sa place de leader par rapport à Bad News Barrett. C'est pour dire ça. Allez, on va quand même parler maintenant des pronos. Donc, qui sera le dernier homme debout, puisqu'il n'arrête pas de le dire? Est-ce que ça sera le leader de la C-Nation, John Cena? Ou est-ce que ce sera le leader de la famille folle du Bayou, Bray Wyatt? Qui c'est qui veut commencer? Moi, je veux bien. Vas-y, Aloïs. Vas-y, Aloïs. Je veux que ça soit Bray Wyatt. J'en ai marre de Cena qui est en train de perdre dans un match. Il est en train de perdre, il se fait massacrer. Et hop, attitude adjustment, 1, 2, 3, il gagne. Ça fait je sais pas combien qu'on voit ça, ça commence à m'énerver, sérieux. Je veux voir Cena à terre, je veux voir Bray Wyatt, comme on voit sur les photos, avec les bras ouverts et avec ses, comme dit papy, les deux alcooliques. Les deux alcooliques. Les deux alcooliques. les deux alcooliques. Vous m'avez compris. Tu me diras, Luke Harper avec son regard de rêve, on dirait qu'il a bu 5 litres de bière et qu'il a tiré sur 3 ouinges. C'est pas vrai. Faux. Donc, bon, bah, vous m'avez compris, avec ces deux amis, on va dire, à côté. Je veux voir une victoire de Bray Wyatt. Mais j'adore Luke Harper, hein. Je trouve qu'il tient super bien son rôle de lieutenant de Bray Wyatt, parce que Eric Rowan, on l'entend jamais. Luke Harper, il a quelquefois le micro, mais il parle, mais c'est juste assez, c'est juste ce qu'il faut. Et pour information, sur un ring, il est très bon. Voilà, et sans éclipser, bien sûr, Bray Wyatt. Parce que ce que je voulais dire, c'est que sur un ring, il est très bon. J'ai rarement vu un catcheur d'une taille aussi grande réussir des prises. Il a fait un Caluana quand même. Hein. Ouais. Non, mais aussi, c'est pour dire que Eric Roman, je sais pas comment on dit Eric. Eric Rowan. Ah, le retour de la Marie. Internet. Oui. T'as toujours ta légendaire connexion Lidl. Voilà, tout à fait. Donc je vais essayer de me dépêcher avant que. Bah, du coup, Aloïs a donné son pronostic. Bah, écoute, fais-toi plaisir. Moi ? Ouais, vas-y. Oui. Ouais, d'accord. Donc, moi, je suis avant pour. Avant qu'on perde de nouveau. Troll. Ouais, non, mais c'est pas troll, ça devient même énervant. Donc, moi, je suis pour John Cena. À fond les ballons. Je pense que les Usos vont intervenir pour empêcher Eric Rowan et Luke Harper d'intervenir. Surtout s'ils ont un match et qu'ils perdent leur ceinture, comme ça ils seront bien vénères. Et bon, il s'est fait tellement humilier John Cena avec le Sister Abigail et tout ça. Non, que il a retrouvé un peu de fierté là. Il parle, il dit voilà, je veux pas abandonner, je crois en ce que je fais. Il est quand même là. Il est entre le moment avant Extremus où il était là à genoux à terre et là aujourd'hui où il est quand même. Il a cette flamme dans les yeux, il y a quand même une différence et je crois qu'il a retrouvé, on va dire, ce que faisait sa force. Après, j'ai lu dans certains forums qui disaient que celui qui tenait la rivalité, c'était Bray Wyatt. Ah bah clairement. Et donc après, on peut toujours en discuter. Mais John Cena a retrouvé, je pense que John Cena a retrouvé un peu de fierté et puis de toute façon, vous savez ce que c'est le catch, un coup on domine, un coup on se fait dominer, hein. Donc pour ta gouverne, Marie, Aloïs a jeté son dévolu sur le gourou de la secte à Rishnu. Ah. La famille folle du Bayou. Donc sur Bray Wyatt. Parce qu'il en avait marre de John Cena. Voilà. Ah ouais, cool. J'ai pas donné mon avis. Allez, Mi Shaker. Vas-y, Mi Shaker, à ton tour. Très franchement, j'hésite beaucoup, mais moi je dirais John Cena parce que j'espère que les Usos et la Wyatt Femme... Les deux acolytes de Wyatt seront bannis des abords du ring. Comme ça, ils attaqueront pas sur John Cena. De toute façon, le décompte revient à zéro à chaque fois qu'on attaque un adversaire à terre durant un Last Man Standing match. Et pour information, je crois que ce décompte n'est pas obligatoirement fait sur le ring. Je crois qu'on peut le faire où on veut. Bah, bien sûr. Donc ça veut dire que, même, d'un côté, même si tu les bannis des abords du ring, s'ils vont dans les vestiaires,
Ils peuvent aller en backstage, dans les vestiaires, ils peuvent aller au rayon, ils peuvent voilà au rayon confiserie et bonbons du de l'All State Arena. Ils peuvent aller où ils veulent en fait. Voilà. Et puis j'espère que ce combat conclura la rivalité. Ou sinon, si c'est pas ce combat-là, ce sera sûrement dans le prochain pay-per-view. Ok, papy. Je suis un peu emmerdé pour ce match parce que ouais, effectivement, je pense que les deux peuvent. Les deux peuvent l'emporter. C'est peut-être le match sur lequel j'hésite le plus sur ce pay-per-view. Le truc qu'il y a, c'est que je me dis, en règle générale, quand John Cena a un adversaire qui est supposé être plus puissant que lui d'un point de vue physique, c'est lui qui gagne les Last Man Standing match. Et quand il a un adversaire qui est supposé être moins fort en force de frappe et en physique, c'est lui qui perd les Last Man Standing match. Exemple, Last Man Standing match perdu contre Edge et contre Alberto Del Rio, et Last Man Standing match gagné contre Batista ou Umaga. Il y a eu aussi un match nul avec Ryback. Oui, l'année dernière, ouais. On se souvient d'ailleurs que Umaga, il avait réussi à prendre le coin du ring pour l'endormir. Ça avait été un, je crois, Royal Rumble 2007. Mais c'est exact. Et donc, mais attention, les deux fois dont tu parlais, Edge et Alberto, pas oublier que c'était des interventions soit du Big Show ou soit de la Awesome Truth. Donc John Cena n'a jamais perdu de manière très clean les Last Man Standing. D'ailleurs, je me souviens qu'à Vengeance, Alberto Del Rio s'est fait aider par un membre du public. Non, Awesome Truth. Aussi non, par un membre du public pour se relever, bien sûr. Il avait été aidé par Le Miz et R-Truth. Et si je dis pas de bêtises, donc ça devait être Backlash 2010, ce fameux Last Man Standing match pour le titre de champion World Heavyweight entre John Cena et Edge. C'était John Cena le champion, donc Edge lui avait pris le titre. Et c'était Choke Slam du Big Show dans ta projecteur. Dans un projecteur. Oui, exactement, dans un projecteur. Non, c'est pas Backlash 2010, c'est 2009 plutôt. Ouais, 2009, parce que c'était à l'issue de WrestleMania 25. Exact. Bien vu. Il faut que je serais plus tenté de dire une victoire de Bray Wyatt, donc du coup c'est toi qui vas devoir encore départager, Sioni Jin. J'adore départager. Parce que en fait, je suis quand même assez sceptique sur l'issue du match, à savoir qui va l'emporter, parce que comme je l'ai dit, je pense que les deux peuvent très bien gagner. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est un petit peu l'énigme de savoir si ce combat va conclure la rivalité ou si elle va se poursuivre à Money in the Bank. Selon les derniers échos que j'ai, la rivalité va se poursuivre jusqu'à Money in the Bank. Ça me fait un petit peu Brer Wyatt, jeu de mots de merde. Ça me fait un petit peu Brer, dans le sens où moi j'aurais bien vu Bray Wyatt être injecté dans le Money in the Bank Ladder Match et remporter la mallette pour la cacher, et j'ai deux attentes dans le futur à moyen et long terme d'ici un laps de temps entre un an et demi aux quatre prochaines années, c'est de voir ce que vont faire Roman Reigns et Bray Wyatt quand ils seront champions du monde, parce que c'est vraiment deux des principaux espoirs sur lesquels je place un bifton. Je pense que Bray Wyatt et Roman Reigns ont les qualités requises pour être tôt ou tard champion du monde de la WWE. Le truc, c'est que effectivement, je vois malheureusement plus John Cena remporter au final la rivalité. Mishaker a lancé un truc assez intéressant, c'est que pour le titre de championne des divas, il veut son I Quit match, absolument. Eh bien, figure-toi que je pense que le I Quit match est peut-être pour Money in the Bank entre John Cena et Bray Wyatt.
Mais Cena Jin va peut-être pas aimer parce qu'il sait que c'est John Cena qui va gagner vu qu'il abandonne. Voilà, John Cena n'a jamais abandonné. Donc ce que je suis en train de dire n'est que pure supposition parce qu'il n'y a absolument rien de concret à l'heure actuelle. On ne sait pas encore si la rivalité entre Cena et Bray Wyatt va se poursuivre jusqu'à Money in the Bank et si elle a lieu. À mon avis, ce sera pas un match en simple, ce sera encore un combat avec une stipulation. Sachant que des interventions dans ce Last Man Standing, il y en aura, vraisemblablement. Les Uzo en faveur de Cena et évidemment Eric Rowan et Luke Harper pour leur leader. Je suis un peu le derrière entre deux chaises, mais comme je l'ai dit, je pense, enfin, pour ma part, là, comme il ne peut pas. Enfin, étant donné que le dernier vrai gros Last Man Standing match qu'on a eu, c'était l'année dernière, et qu'il y avait eu un draw entre John Cena et Ryback, ça m'étonnerait que cette fois-ci, ce serait plus qu'étonnant qu'on ne désigne pas un vainqueur. Donc du coup, ce qui me fait penser que la balance penche légèrement en faveur de Bray Wyatt. Voilà. Bon, c'est moi qui vais devoir départager. Bah oui. La responsabilité du chef, hein, quand même. je sais pas. D'un côté, c'est vrai que. C'est chaud, hein, quand même. C'est chaud parce que, en théorie, tu te dirais, conclure rivalité égale donc John Cena vainqueur parce que ça a toujours été comme ça et ça n'a jamais été autrement. Et puis, s'il gagne pas, ça sera forcément avec une intervention d'un type qui s'appellera je ne sais pas qui. Qui va donc. Mais je pense que, sans me balancer trop de fleurs, les anecdotes que j'ai balancées sur les précédents Last Man Standing Match de John Cena sont à prendre en considération. Bien sûr. Et donc, si moi je pense que ce qui va découler de ce moment offrira sans doute quelque chose, parce que tu disais Money in the Bank, ils vont peut-être continuer. À la limite, ils peuvent très très bien, je crois qu'il y en a 8, il y a 8 places pour le Money in the Bank. Ouais. Si on D'ailleurs, la question que je me pose, oui. C'est est-ce qu'il y aura un ou deux Money in the Bank ladder match ? Logiquement, bah, il y en a un, il ne peut pas y en avoir 50, hein. Il y en aura un, puisqu'il n'y a qu'une ceinture désormais. Et pour l'instant, la ceinture est déclarée, on en parlera de cette fameuse ceinture, puisqu'on vous demandera, je vous demanderai, si oui ou non Daniel Bryan doit choisir entre la peste et le choléra. Mmh. Maintenant, pour ce qui s'agit du Money in the Bank, on va vraiment aller loin. Vous mettez Roman Reigns, qui peut-être va être celui qui a tenu lors du Elimination Match et qui a tenu et qui a réussi à faire quelque chose. Vous mettez le survivant. Vous mettez les deux membres de l'évolution, Randy Orton. Et Batista, enfin non, Batista il sera parti. Vous mettez Randy Orton. Vous mettez John Cena. Parce qu'il faut mettre John Cena, parce que sans John Cena, c'est pas bien. Après, on ne pourra même pas des t-shirts. Oh, et juste pour être gentil, ils mettent pas John Cena. Je vais mettre Damien Sandow. Non, j'aime pas Damien Sandow. Non, mais moi j'adore Damien Sandow, mais ils font n'importe quoi avec lui. Non, attends, mais il est perdu, il est complètement perdu. Non, mais attends, lundi soir c'était Davy Crockett, et puis après il y a eu quoi encore? Sherlock Holmes, il y a. Ah oui, il y a eu Sherlock Holmes. Et attends, il y a eu un truc encore à Main. Ouais, il y a eu Magneto, et il y a eu encore un autre truc à Main Event cette semaine. Une sorte de DJ? Il a fait John Cena version 2003. Mais non, il voulait se mettre plutôt comme un Airtrousse, à mon avis, qui fait What's up, c'est un peu ça. D'ailleurs, pour information, monsieur le philosophe de Wrestling Football ne comprend pas un traître mot de ce qui se passe, donc même lui, s'il est largué, tout le monde est largué. Hein, donc, pour information, donc, après, vous aurez, donc je finis mon explication, vous aurez donc Cesaro qui devrait y être, on va mettre peut-être BNB, à mon avis, donc, et forcément, Bray Wyatt sera dans l'eau, donc on va continuer cette rivalité avec donc le Money in the Bank, ou alors, bien sûr, ça dépendra de la situation. Pour Daniel Bryan, ou alors, eh bien, Daniel, et peut-être tout simplement, eh bien, on va soit mettre la ceinture, soit mettre cette manette. Donc finalement, on va pas la quitter cette rivalité dans le sens où juste on va prendre toutes les rivalités une par une et on va les mettre ensemble. Donc, que l'un perde ou l'autre gagne, ils vont continuer intrinsèquement, mais avec un enjeu qui sera important. Aujourd'hui, qui et donc moi, quand je regarde ça, lequel des deux
si on devait avoir une mallette, lequel des deux pourrait être en position de force? On a bientôt fini. John Cena, sincèrement, je l'ai vu vers la mallette. Sincèrement, moi, cette mallette, pour moi, elle ne lui sied pas. Donc, pour moi, si on devait choisir entre l'un ou l'autre, je pense que ça sera peut-être Bray Wyatt. Mais avec une intervention, alors je sais que c'est très, très je suis en train de chercher, hein, je creuse, une intervention de Sheamus. Contre John Cena. Ça permettrait oui, mais de lancer voilà. Money in the Bank. Voilà, parce que Money in the Bank, à ce moment-là, je continue mon explication, puisqu'il sera là, Sheamus, forcément, pour le Money in the Bank, donc John Cena, Bray Wyatt devrait peut-être se mettre avec quelqu'un d'autre, ou alors continuer une rivalité. Parce qu'il faut pas oublier. Claire, il devrait y avoir un nouveau membre dans la Wyatt Family. Non, pas forcément un nouveau membre, mais Papy l'a dit, il devrait y avoir peut-être un John Cena contre Sheamus. Peut-être que la trahison devrait avoir lieu ici pour découler tout simplement de la rivalité finale pour le SummerSlam. Mais trahison de quoi? Pour l'instant, ils sont pas ensemble, ils ont jamais fait équipe ou quoi, ok. Bah, donc je sais pas, il peut très bien lui trouver, je sais pas. Tel que les autres trahissent Tina, là, ce serait compréhensible, mais Sheamus, il a insulté son chien, il est pas content, simplement. Faut pas chercher midi à 14h, des fois, tu sais, les gens ils viennent intervenir, on sait pas pourquoi, et moi je me dis. Oui, mais bon, là. Non, moi je pense, peut-être avec une frustration, peut-être que si Sheamus parle à la ceinture, peut-être qu'il voudra s'en déchoter son dévolu sur John Cena. Je suis en train de vraiment de chercher de ratisser très large, c'est pour ça. Parce que c'est pas facile de choisir. Moi je pense que déjà le bordel général qui est susceptible avec intervention des Uzo, avec intervention de Luke Harper et Eric Rowan, devrait être largement suffisant pour permettre à l'un des deux lutteurs de prendre l'ascendant sur l'autre. En tout cas, moi, quoi qu'il arrive, je ne vois pas du tout une victoire clean de Cena. Et à la limite, peut-être à la limite Cena, mais sinon, moi, pour moi, Bray Wyatt, s'il gagne, ça sera par simplement par une intervention d'une personne. Et moi, je ne sais pas pourquoi je vois Sheamus. Donc voilà, à peu près tout ça. Sur Pixul, en fait, on est. Ils sont à 95% pour John Cena, non, c'est ça. Ils sont pas autant, mais 78,6% 33 personnes pour John Cena. Mais il faut qu'ils arrêtent, hein. 9 moment. Personnes pour Bray Wyatt. Oh là là, Cena. Non, mais il faut qu'ils arrêtent. Attends, sans déconner, à chaque fois que je fais des pronostics avec Sio, avec Marie, pour le compte de Wrestling Football, John Cena est toujours devant. Mais il faut arrêter, il faut bien comprendre que des fois, il faut que John Cena perde. Il a été... Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a peut-être un groupe de fans de Cena sur Pixul qui a envie tout simplement que John Cena gagne. Mais c'est vrai que j'ai rarement vu une telle majorité. Je m'attendais à ce que Bray Wyatt soit largement au-dessus. Malheureusement, c'est une domination totale de la part de John Cena par rapport à Bray Wyatt. Bon, eh bien, tant pis. Et voilà. Et d'ailleurs, les interventions, vous voyez qui intervenir? À part Luke Harper et Rick Rowan, bien sûr. Bon, ça sera. Bah oui, les Uzo. C'est tout? Y a personne d'autre? Bah peut-être un invité surprise, comme tu l'as dit, peut-être Sheamus, c'est susceptible vu que effectivement les dernières news du web lui indiquerait un potentiel heel turn entre le court et le moyen terme, et puis ben comment et puis comment dirais-je Ah, c'est pas facile, c'est pas vraiment voilà. C'est pas facile. Et SummerSlam, oui. C'est pas Attendez, j'ai une autre proposition aussi. Vas-y. Moi, je dirais aussi Bo Dallas, parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans la vraie vie, Bray Wyatt est le frère de Bo Dallas. Ouais, mais. Mais là, ça s'appelle Wyatt, l'autre s'appelle Dallas, hein. Et j'ai pas envie de croire en lui pour l'instant, Bo Dallas. Si vous comprenez ce que je veux dire. I don't believe. Bolive. Moi, je l'aime assez, Bo Dallas. Je trouve qu'il combat bien. Je sais pas moi, donc je l'aime bien. Donc du coup, tu as tranché, tu serais plus Bray Wyatt, Sio. Voilà, Bray Wyatt. D'accord. Mais je
Le match en lui-même à pronostiquer, c'est chaud. Hein. Je veux dire, si John Cena si John Cena l'emporte, je ne vais pas crier au scandale parce que j'aurais déjà dit moi personnellement que le combat en lui-même était assez difficile à pronostiquer. Mais voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à pronostiquer, tout simplement parce que on est peut-être en train tout simplement d'imaginer que la rivalité va se terminer. Donc, ou alors de savoir ce qui va, comment les deux vont être mangés à Money in the Bank. C'est voilà, surtout ça. Et il y a encore rien de très concret, quoi. C'est vrai qu'il y a un truc qui, on va quand même en parlera peut-être plus. On en parlera peut-être plus avec Daniel Bryan, puisque c'est lui l'interrogation finalement qui fait que tout est en train de changer. Ouais, oui aussi, ouais. Et donc, la question qu'on se posera forcément, ça sera la dernière, forcément le dernier prono qu'on va faire. Ça sera bien sûr, on parlera de l'évolution contre le Shield. Et à la fin, bien sûr, on décidera, c'est difficile de pronostiquer plutôt, c'est on se mettra à la place de Daniel Bryan et on essaiera de se demander s'il doit choisir entre la peste et le choléra, en clair, est-ce qu'il doit choisir entre conserver sa ceinture ou tout simplement précipiter le départ de sa compagne. Et ça, malheureusement, ça vous fera être patient, parce que ce sera la toute dernière vidéo. Vous avez tout dit pour John Cena contre Bray Wyatt? Oui, c'est bon, on va pouvoir. Watch le Six Men Tag Team No Holds Barred. D'accord. Bon, alors on va se retrouver pour la dernière vidéo. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure.